et a assisté. Donc, Mélanie Joly qui vient de... Bon, est-ce qu'on peut dire sceller le sort du président ou nous donner une indication, nous pointer du doigt vers où ça s'en va? Oui, là, c'est de plus en plus clair, Mario. Je pense pas vraiment qu'il y ait de porte de sortie à ce point-ci pour M. Rota, à ce qu'il reste dans son poste. Il y a Mme Joly qui a dit que la bonne chose à faire, ce serait justement d'écouter la Chambre, d'écouter les députés et de démissionner. Puis par la suite, la leader parlementaire du parti, Karina Gold, qui a pas mal dit la même chose. On sait que les leaders parlementaires doivent se rencontrer à midi, là, ceux de chaque parti, justement, pour discuter de ce dossier-là. Mais selon moi, la rencontre du Conseil des ministres qui a lieu présentement, on va probablement en arriver à cette conclusion-là. Justin Trudeau, lui, par contre, a été questionné aussi, n'est pas allé là ce matin, arrivé un petit peu plus tôt que ses collègues, a continué de dire un peu la même chose qu'hier, à savoir que ben, c'était embarrassant pour les Canadiens, pour le Parlement, le fait aussi qu'on ait mis président ukrainien dans cette position-là. Ça fait énormément réagir, pas seulement chez nous, mais on l'a vu hier un peu partout à l'international. Je sais pas si on a les extraits présentement. Mais non, mais non, écouter, non, non, on me dit qu'on les prépare, mais j'allais dire, donc la réunion des leaders à midi pourrait devenir quasiment une réunion sur la suite des choses, sur la préparation d'un autre vote pour le choix d'un président. On pourrait déjà être rendu à l'étape suivante. Est-ce qu'on sait quelle forme pourrait prendre? Est-ce que, par exemple, le président Rota, hier, c'est à 11h, il s'est adressé à la Chambre. Est-ce qu'il pourrait faire la même chose aujourd'hui à 11h puis annoncer sa démission ou le faire avant la période des questions vers 14h? À ce moment-ci, c'est pas tellement clair là, qu'est-ce qui va se passer avec M. Rota dans la Chambre des communes, la procédure que ça va prendre. C'est quelque chose qui est extrêmement rare là, d'avoir c'est de plus voir que, un plus un que président rare, oui. J'ai pas souvenir de ça, là. Ça sort de l'ordinaire et on va justement voir un peu comment ça va se développer aujourd'hui au fur et à mesure que ça va survenir. La rencontre, en effet, à midi, qui va probablement mettre les choses en place pour les prochaines étapes. On peut écouter les extraits dont on a pu recueillir ce matin à la rencontre du cabinet. Et je pense que le président de la Chambre devrait écouter les députés et démissionner. De non seulement inviter quelqu'un qui a lutté avec le Waffen-SS, mais de le reconnaître dans la Chambre durant la visite du président de l'Ukraine sans avertir ni au gouvernement, ni aux délégations ukrainiennes, ni à chacun des parlementaires. C'est quelque chose qui est douloureux, mais c'est aussi honteux pour le Parlement, pour les Canadiens. Basé sur les conversations que j'ai eues, je ne vois pas qu'il aurait l'appui des députés. Ce qui s'est passé vendredi dernier n'aurait jamais dû arriver. Et si j'étais dans les souliers de M. Rota, je démissionnerais. Non, d'avoir une discussion avec chaque leader de chaque parti, parce que c'est vraiment un choix de Parlement. Et c'est au début, c'est le cas, et c'est le cas aujourd'hui. Je pense que c'était profondément gênant, ce qui s'est passé et pour le Canada et pour le Parlement. C'était une bonne chose que le président se soit excusé, mais je suis certain qu'il est en train de réfléchir. Olivier, tu sais, quand le premier ministre dit que tu es en train de réfléchir, parce que techniquement, hier, lui, il s'était excusé, puis il ne réfléchissait plus, là, il voulait clore l'épisode. Quand le lendemain matin, le premier ministre dit que tu es en train de réfléchir, il faut lire entre les lignes qu'il t'invite aussi à réfléchir plus et plus vite, là. Oui, ça semble scellé, puis, tu sais, vous savez, on se demandait un peu à quel point ça pouvait être soutenable longtemps, là, cette situation-là, parce que tant que, justement, on n'a pas un responsable, il n'y a pas quelqu'un qui doit justement subir les conséquences de ce geste-là. C'est difficile de fermer la page, de fermer le dossier, puis ça va traîner dans le gouvernement. Donc, même pour Justin Trudeau, c'est une position qui n'est pas difficile, même si lui dit ben, « j'ai pas été mis au courant », maintient encore que son bureau n'avait pas été au courant de la présence de M. Honka dans la Chambre des communes. Encore moins, évidemment, de l'ovation qui en a suivi. Il y avait le Bloc hier et le NPD qui demandaient la démission. Aujourd'hui, ces voix-là au sein du Parti libéral et du gouvernement qui s'ajoutent. Ouais. Ça semble pas mal écrit, là. Olivier, il reste que je comprends qu'on pourrait dire que ce sont des considérations qui devraient être accessoires, mais quand même, on faisait la recherche ce matin, l'équipe ici faisait la recherche. Il y a des avantages d'être président, là. S'il retourne simple député, il y a la paye d'un ministre. Donc, il y a la paye de base de 180 quelques mille, plus 80, je pense, 12 000 ou 80 de plus comme président. Le président a aussi, si je ne me trompe pas, un chauffeur, évidemment, les autres n'ont pas. Une résidence qui s'appelle The Farm, là, la ferme, là. Une espèce de résidence officielle. Alors, c'est tous des privilèges qu'il perdrait en 24 heures là, sur la base de cette gaffe-là.
Oui, tout à fait. Du moment où M. Rota démissionne, ou en tout cas, on se voit monter la porte de ce poste de président-là, c'est tous les avantages dont vous avez énumérés qui vont lui échapper aussi. Donc, il n'est pas ministre non plus. Donc, par la suite, va devenir, comme vous l'avez un peu mentionné, avec les avantages d'un député. C'est une grosse démotion si elle vient qu'à se confirmer aujourd'hui, celle de passer de président à député pour M. Rota. Est-ce que j'ai raison de penser, parce que c'est plus sur l'atmosphère, là, puis j'avais l'impression hier quand même qu'il était aimé. Puis là, je mets de côté cet événement-là. Là, jusqu'à jeudi passé, même les gens du Bloc, on sentait qu'ils aimaient ce président-là, qui était perçu comme quelqu'un de juste, proche des députés, qui partageait bien le temps de parole. Il était apprécié, l'aide humain, là? Tout à fait. Honnêtement, avant l'événement de hier, je n'ai pas vraiment, même je pense, jamais entendu un député ou quelqu'un se plaindre du travail de M. Rota à la présidence. Vous avez mentionné juste, en effet, on le sait évidemment qu'il a été élu sous la bannière libérale. Là, c'est le président qui provient du Parti libéral, mais tout de même, dans son travail de président, là, va donner la parole aux deux partis, réprimander les deux partis, tous les représentants de chaque parti lorsque, par exemple, on vient à dépasser le temps ou on emprunte du langage non parlementaire. Et il le fait aussi parfois et à l'occasion dans l'humour, et ça, c'est toujours apprécié. Donc, c'est. Ouais. Le représentant du Bloc l'a mentionné hier, là, c'est un président qui était apprécié, mais cette gaffe-là, cette erreur-là, visiblement, là, ne peut pas passer. Voilà. Hey, Olivier, merci beaucoup.